Dernièrement, c'est une équipe qui prend peu de risques en construction. C'est une équipe qui joue à, je veux dire, qui essaie de prendre un appui haut pour pouvoir commencer à jouer s'ils ont gagné le deuxième ballon. Donc ça veut dire qu'ils obligent un peu l'adversaire toujours à recommencer le travail de loin, parce que eux ne perdent rarement le ballon dans leurs 30 derniers mètres. Et ils ont des joueurs comme Avenatti et Mboyo qui sont très importants pour leur premier ballon. Depuis qu'on les a battus, je crois, n'ont plus subi la défaite. Avec des matchs nuls contre Bruges, un match nul à Genk. Donc ça veut quand même dire quelque chose. Et on avait vu contre nous aussi que cette équipe avait des atouts. Donc ils ont changé un tout petit peu leur manière de jouer avec Ivan Drag, mais la qualité individuelle des joueurs reste. Ils sont des joueurs qui peuvent faire la différence. Donc il faut être super concentré, quoi. Et quand je parlais que après ces matchs amicaux, c'est vrai que ça peut donner une image très positive de Bad Mainz et Gladbach, mais ça veut dire que le travail contre Courtrai devrait être fait aussi. Donc c'est un message pour mes joueurs, mais aussi pour la patience qu'on devra peut-être avoir, qu'on n'attende pas à ce qu'on écrase Courtrai, quoi. Ce ne sera pas le cas.